Bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sympa, mais il faut écouter attentivement les gars, puisqu'il y a un spray gratuit à gagner qui s'appelle le Tour Entraîneau. Pourquoi vous pouvez le gagner gratuitement? Puisque les gars, on va parler tournoi et compétition. Et bien dans ce tournoi compétition, c'est la frénésie du froid, c'est le nom de ce tournoi qui commence dans 3 jours. Alors ils nous annoncent ça comme d'habitude chez Fortnite, hein. On a 3 jours pour se préparer, pour faire un tournoi et tout. Surtout que c'est un tournoi en trio une fois de plus. Et il y a 5 millions de dollars à gagner. 5 millions de dollars à gagner. Donc je répète, ces 5 millions de dollars sont à gagner sur ce tournoi. Et le tournoi va se diviser en plusieurs manches. Donc vous allez devoir vous qualifier, etc. pour pouvoir avancer de plus en plus loin dans le tournoi, etc. etc. Alors, une fois de plus les gars, bien sûr il va y avoir de la concurrence. Il va y avoir du gros niveau. Mais surtout, il va falloir juste participer si vous voulez le spray, d'accord? Donc ça, c'est une chose que vous devez vous mettre tout de suite dans la tête. Le spray est seulement à gagner par participation, donc il n'y a pas de classement à faire. Donc si vous voulez juste vraiment le spray, participez vite fait et vous l'aurez. Ensuite, pour le format du tournoi, il y a 5 millions de dollars à gagner, comme je vous le disais. Et il va se jouer le 12 décembre en Europe. Donc je vous parle pour l'Europe. Alors ceux qui me suivent des autres, dans les autres continents, il va falloir les gars regarder par rapport aux dates que vous avez, etc. Parce que c'est un peu compliqué. Il y a plusieurs choses à faire, plusieurs dates qui vont changer, plusieurs jours d'ailleurs qui vont changer. Le tournoi, vous le voyez ici, hein, il y a des détails. Chaque élimination, 2 kills, top 20, top 10, top 5, etc. jusqu'à la victoire royale. Sauf que là, ce que je vais vous dire, c'est comment réussir à avancer et éventuellement gagner du cash prize. Alors le 12 décembre, chaque session se divise en 2 manches et seules les 500 meilleures équipes vont pouvoir commencer, d'accord? Donc le tournoi est ouvert à tout le monde, ici, il y a 2 manches, d'accord? Ça débute dans 3 jours, les prix et les récompenses, 5 points, un objet inconnu, donc c'est le fameux spray que je vous parle. Deuxième manche commence à 11h-13h la première, seulement 2h, et la deuxième, 14h-17h. Alors il va falloir m'expliquer pourquoi la première manche commence et fait 2h et ensuite la deuxième manche fait 3h. Alors je pense que c'est ce qu'ils nous ont dit ici, c'est que vous allez vous qualifier si vous passez la première manche, et bien vous allez devoir faire la session numéro 2 et vous qualifier, d'accord, pour les quarts de finale. Une fois que vous arrivez au quart de finale, là ça va être compliqué, pareil, ça va être la session juste après 18h-20h et ensuite 21h-minuit pour les passer en demi-finale, d'accord? Donc c'est là où ça devient compliqué. Après, en demi-finale, ça commencera le matin, re 11h-13h, ensuite, re 14h-17h. Si vous passez en finale ce jour-là, donc ça se joue en 2 jours, hein, eh bien, la finale se déroulera de 18h à 20h, avec le truc final de 21h à minuit. Donc, pour un cash prize, les top 400 joueurs gagneront 1200$. Les top 35 joueurs gagneront 1800$. Donc pareil, une fois de plus, hein, les gars, il va falloir savoir, comment dire, connaître les modalités comme d'habitude. Hein, parce que si vous ne faites pas attention, eh bien, vous allez vous faire avoir par le fait que vous n'avez pas 13 ans, vous n'avez pas ce qu'il faut pour participer. Bien sûr, je vous parle de A2F, je vous parle de choses comme ça. Donc faites bien attention si vous voulez participer, si vous voulez gagner de l'argent, si vous avez un certain niveau. Eh bien, n'oubliez pas de remplir toutes les règles du règlement. Donc ensuite les gars, d'autres infos arriveront, bien sûr, comme je vous ai dit, les détails de tournoi. Hein. Regardez, il y a des tops à faire, donc des top 1, des tops, bref, il y a des points. Vous avez également les kills à effectuer. Mais chaque, comment dire, chaque truc va avoir son degré de difficulté. Donc faites attention, il peut y avoir un truc stylé et c'est du trio. Si je m'abuse, ceci est du trio. Donc vous allez devoir préparer une équipe de trio et une équipe de choc, hein, donc, pour gagner. Donc préparez-vous tout ça parce que c'est dans 3 jours et ça risque d'être un truc de ouf. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser en commentaire. Et bien sûr, je ferai un max de temps, j'essaierai de vous répondre, etc. En tout cas, je vous remercie. Code créateur dans la boutique, les gars, Telmo-Lopez, si vous voulez le mettre. Max de like, abonnez-vous, activez la cloche. On se retrouve, les gars, demain pour les défis de jeudi, encore avec plein d'XP à gagner. Salut, à demain.